C'est une conférence qu'on doit d'abord aux ONTA et à la Ligue du Cancer et qui consiste à donner des explications à tout public, aux femmes comme aux hommes, sur les conséquences d'une infection virale qui est celle liée au papillomavirus et ses conséquences sur différentes sphères de l'organisme qui sont pas seulement génitales, mais également oropharyngiennes, c'est-à-dire qui concernent tout le milieu de la bouche et de l'arrière-bouche. Nous avons commencé par un débat qui se poursuit en ce moment même par un dîner où chaque intervenant peut être à la disposition donc, des participants pour répondre à des questions plus intimistes. Moi, je suis ORL, otorhino-laryngologiste, et je m'occupe des cancers de la tête et du cou, et notamment de la cavité buccale, amygdale et base de langue, qui sont eux aussi impliqués dans les cancers liés à l'HPV à hauteur de 30% actuellement. Un virus qui infecte les muqueuses du périnée, hein, que ce soit le vagin ou de la muqueuse anale. Nous avions donc des spécialistes dans le domaine. Nous avions également un laboratoire qui nous a parlé de dépistage. Nous avons eu une ORL, puisqu'il fallait également parler des autres types de cancers liés au papillomavirus humain, le HPV. Les cancers ORS sont les quatrièmes cancers connus sur la Guadeloupe après prostate, sein, digestif. On arrive à quatrième position. Habituellement, ce sont des cancers qui sont liés, dont les facteurs de risque, c'est le tabac et l'alcool. Et depuis quelques années, on a mis en évidence la présence du virus, le human papillomavirus, qui est présent entre 25 et 30% pour ces cancers. Il est toujours à prendre au sérieux. Et donc, c'est une infection qui est sournoise, puisqu'elle infecte les femmes et les garçons sans qu'on le sache. Il n'y a pas d'irritation, il n'y a pas de rougeur, et c'est complètement asymptomatique. Si on part le vaccin contre ce papillomavirus, contre les HPV, qui sont potentiellement cancéreux, et ces campagnes de vaccination, elles se sont élargies récemment par la loi aux garçons comme chez les filles. Et donc, il y a l'explication des séquences de vaccination et différents âges où c'est efficace. On a parlé prévention, on a parlé vaccination, on a parlé chiffres et on a parlé effectivement évolution par rapport à d'autres pays qui sont beaucoup plus en avance que nous concernant justement la diminution du HPV et donc des cancers liés au HPV. Ce qu'on retrouve au niveau mondial, et nous avons des patients donc plus jeunes, en bon état général et qui ont un cancer lié à l'HPV. Au début, on a une infection qui est asymptomatique et les lésions les plus sévères arrivent après 30 ans. Donc c'est pour ça qu'on a choisi avant 30 ans, entre 25 et 30 ans, de faire un dépistage cytologique, et parce que si on faisait le test HPV trop tôt, il y aurait trop de positivité et ça ne serait pas pertinent. Alors au bout de 3 semaines, si vous avez un des signes qui peut être un signe tout à fait banal qui concerne la sphère ORL, c'est-à-dire cavité buccale, nez, le cou, les oreilles, qui dure depuis plus de 3 semaines, vous devez consulter un spécialiste qui, à ce moment-là, après un examen correct, un examen clinique de ces différentes régions, verra si oui ou non il y a une lésion cancéreuse et si oui ou non il y a lieu de faire des examens complémentaires. Il est important aujourd'hui de faire ces campagnes d'explication, de prévention, de vaccination et de dépistage. Il est plus facile de dépister l'infection à HPV chez les femmes parce que la muqueuse vaginale permet comment il y a un mucus qui permet le recueil de cellules épithéliales, alors que chez l'homme le gland il n'y a pas de mucus et c'est comme si on frottait la peau, on n'aurait que quelques cellules et c'est pas suffisant. Alors est-ce que justement après ces examens, est-ce que on peut guérir d'un cancer lié au HPV?
Oui. Alors, les cancers ORL liés à l'HPV sont des cancers de meilleur pronostic que les mêmes qui sont liés au tabac et à l'alcool. Ah oui, les hommes sont autant porteurs du virus que les femmes. Fut un temps, il y a une première approche qui avait été de dire, puisque la conséquence du portage du virus oncogène, du papillomavirus oncogène chez l'homme entraîne moins de cancer de la verge, eh bien qu'on ne privilégierait pas sa vaccination. Eh bien, le recul a montré que, d'une part, ils sont très exposés à d'autres cancers comme les cancers anaux et surtout les cancers oropharyngés, c'est-à-dire les cancers de la gorge, de l'arrière-gorge, des amygdales, et même les cancers de la verge existent également. Donc pour toutes ces raisons, on a bien démontré que les garçons sont autant les victimes que chez les filles, et puis par ailleurs, ils sont transmetteurs, donc il n'y aurait aucun sens de vacciner un groupe sexuel plutôt qu'un autre. Il faut que toute une tranche d'âge soit vaccinée si on veut éradiquer la circulation dans la population. C'est pour ça qu'on a toujours pris le dépistage de l'infection HPV au niveau de la sphère cervico-vaginale de la femme. Sachant que si la femme est infectée, l'homme l'était aussi. Et puis la vaccination va régler le problème à la fois des lésions du col utérin et du périnée et les autres problèmes ORL, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même 6300 cancers viraux induits par l'HPV chez les garçons. Donc en vaccinant les garçons, on évitera tous ces cancers oropharyngés. On représente donc la société Roche Diagnostics. On est fournisseur dans les laboratoires d'analyse, que ce soit les laboratoires d'Anapath ou les laboratoires de biologie médicale. Et on a un rôle tout particulier, notamment ici sur le territoire, pour le dépistage du cancer du col, d'une manière générale. Vous avez entendu beaucoup parler de dépistage, de tests HPV. L'idée, c'est qu'en quelques minutes, on aborde ensemble ce test HPV, faire un focus particulier sur le test, et qu'on vous explique un petit peu ce qui se passe lors de ce test, et notamment sur le territoire de la Guadeloupe. Donc moi, je suis Hugo Bernardi, je suis le représentant local pour la société Roche sur les Antilles-Guyane, et je vais laisser ma collègue Madame Almeras se présenter. Bonjour à tous, et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis à Métropole, alors je suis ravie de faire un tour chez vous. Je m'appelle donc Adrienne Almeras, je suis chef de produit oncologie. Alors plus précisément, je suis chef de produit pour tous les réactifs d'Anapath et puis pour tous les produits qui sont autour du cancer du col de l'utérus. Et dans mon travail en tant que chef de produit, donc c'est du marketing. Nous avons appris énormément de choses. Nous avons appris à quel point on est presque tous infectés par le papillomavirus, mais toute infection au papillomavirus n'entraîne pas un cancer. Enfin, nous avons eu vraiment le cœur de l'information et tout en détail. Alors, pour nous joindre, nous avons donc une adresse mail qui est zontabm@gmail.com. Sinon, vous pouvez nous contacter au 0690 48 51 87.